Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous avais dit, on est dimanche matin, je mets mes lunettes. C'est mieux. Et on a décidé d'aller marcher. Attendez, je vous montre. Eric, Marie-Jo, tenue de sport. Je me suis speedée ce matin parce que comme je vous disais hier soir, j'ai fait le vlog. Voilà, je me suis bien avancée et ce matin, fallait que je continue. Mais non, nickel, je me suis levée un peu plus tôt que prévu. Et voilà, il faudra que je rentre quand même pour uploader la fin de mon vlog et ça sera bon. Vous entendez? Petit ruisseau, les oiseaux. Oh, franchement, on est trop bien. Bon, allez, j'accélère quand même, je vais les retrouver. Vous l'avez vu? C'est une buse variable. Bien sûr, non, c'est bien sûr que si. C'est toi la buse variable. C'est les roues cendrées qu'on a vu. Lequel? Il est où ton héros? Tu crois? Oui, avec la couleur, ouais. Ah ouais? Sous la tête qu'il avait. Ok. Et là, c'est donc un tracé, on voit que c'est le chemin pour Compostelle. Ouais, moi j'aime beaucoup la porte. C'est impressionnant comme entrée. Alors là, on est vraiment à côté de chez moi, hein, on va dire à 3 km, même pas. La petite maison comme ça. Attendez, je suis en train de trouver un spot là pour prendre une photo parce que, bien sûr, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'espère qu'il n'y a pas de vipère ou de trucs comme ça. Je trouve ça joli cet effet comme ça, non? Dans les champs. Je vais faire plusieurs plans. Ce qui est gênant, c'est qu'on voit mon bras tendu, quoi. Normalement, je dois être bien calée là. C'est juste pour un effet. C'est bien ou pas là? On voit pas mon doigt. Attends, il y a Marie-Jo qui apparaît dans l'écran. C'est bien là ou pas? Non, je te vois plus. Bah, il faut pas me voir. Non, c'est pour un effet. Ah, faut pas que je te vois du tout? Non, faut qu'on voit que ça et puis le. Ah, faut qu'on voit que ça, oui. C'est bon ou pas? Oui. Je crois que Spielberg il va t'appeler là. T'es con. Oh! Ah oui, c'est pour très bien le. Oh là là! C'est là que je me marie. Un plan d'eau. Oui, parce que je vous ai pas dit, je veux me marier. Eh ben. Sur un lac. Non, pas sur un lac. Mais j'adore les lacs avec, vous savez, ces petits chalets et tout. Mais Eric, il aime pas, il trouve ça glauque. Et ben voilà, et là, tu continues. C'est un étang, il me souffle derrière. Je sais que c'est pas un lac, ça. Mais moi, je veux un lac. Donc ça, c'est un spot à pêcheurs. Spot à pêcheurs. T'as le spot à surfeurs et le spot à pêcheurs. C'est une autre façon de voir la vie. C'est ça. Tu nous approches. Donc on fait un dimanche matin chez un spot à surfeurs. Mais là, faut la bière, ça. C'est vachement reposant, franchement. J'adore. Regardez, c'est quoi ça? C'est une carpe. Je me demandais au niveau des poissons, est-ce que les pêcheurs les rejettent ou c'est juste pour le plaisir de... Bah ouais, non, on les rejette. Ouais, les poissons, d'accord, mais c'est ça. Hein. J'ai vu, je crois que c'est une carpe là, elle était comme ça. Bah là, c'est pas des carpes, c'est des, en fait, c'est des. Comment ça? Je m'y connais pas du tout. C'est des brèmes en fait, ça. Des brèmes. Ouais, c'est des brèmes. Ouais. Qui sont plates comme ça, marron ouais, et. Ouais. Mais après, peut-être qu'il y avait des carpes un peu plus loin. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Mais là, ce qui traîne au bord, là, c'est des brèmes. Hein. Ah bah c'est ça. C'est ça que j'ai vu. D'accord. Bah merci beaucoup. Non, pas de souci. Un pêcheur nous a demandé de prendre une photo de son butin. Alors là, on arrive dans un sous-bois. Il est très très beau ce rocher. Hein. On peut appeler ça un rocher. Bonjour. Faut que je vous dise quelque chose. Oui. Je commence à avoir faim. Vous avez faim, vous? On dirait une gamine. C'est ma hernie qui me dit. Oh, oui, bien miam, sûr. Miam, miam. Si, il faut que je mange 7 fois par jour. Elle nous emmerde. 7 fois par jour aussi. Tu peux te la mettre. Très beau. Eh ben, il fait autant ce qu'elle m'a dit. Alors. Okay, ça peut être cool. On m'a bien transmis les vérités. Vous savez que vous êtes compliqué quand même. À Cloix, en fait, il y en a un, mais je sais pas au niveau si c'est, tu vois, si on peut prendre une petite salade ou machin. Ta gueule. C'est le champ d'un héron cendré. C'est ça un camping, non, à la base? Ouais, mais il n'y a pas... Je sais pas.
là-bas. Bah si, il y a des gens, donc c'est, ça doit être ouvert. Restaurant Le Val Fleuri. Vous voyez, à l'été, en fait, il y a des piscines, un plan d'eau. Excusez-nous, c'est possible de manger sans avoir réservé ou pas? Ah non, on est complet, je suis désolée. Ah, ok, bah super. Vous aviez raison. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On va se trouver un autre spot. C'est fou ça, pourquoi? Oh, c'est moi, je m'étais préparée. Psychologiquement, bah voilà. Bah voilà. Alors là, franchement, j'aimerais bien qu'il y ait de la place et qu'on puisse y aller parce que c'est hyper mignon. C'est chouette, hein? Mais bon, pareil, hein, est-ce qu'il faut pas réserver? Dimanche, Pascal. Oh là là. Marie-Jo nous dit qu'on peut pas manger là vu notre tenue. C'est vrai que les gens. Mais si on se met dehors, genre personne nous voit. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Là, attendez. Regardez, il y a personne, on peut se mettre là. C'est vrai que les gens sont en tenue. Eric, il a une chemise, hein. Qu'est-ce que je te dis? Bon bah non, ils veulent pas. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est Eric et Marie-Jo qui trouvent qu'on n'est pas assez bien habillés. Moi, je serais pas à l'aise. Bah, je serais pas à l'aise. Moi, je m'en fous. Non, mais enfin, c'est super, hein. On va manger où? Non, mais... On a peut-être trouvé quelque chose. Juste à côté, toujours dans la même ville. Le Petit Pâtre, crêperie, salon de thé, parfait. Fallait pas réserver, c'est bon? Non, il n'y a pas d'alternative. C'est exactement celle-là. Ben nickel. Vous prenez un petit apéro, vous? Oui, mais vous êtes déçus quand je dis ce que je prends. Je sais, un coca. Parce que t'as hyper soif et parce qu'on a marché, blablabla. Franchement, il y a la Bobette, Chèvenois, Miel et la Saint-Jacques. Mais il y en a tellement de sympas. Mais non, moi je vais prendre du cidre. C'est quoi ça? Non, mais là c'est juste pour... La crêpe du jour, galette indienne. Waouh. Merci. Fondue de poireau Saint-Jacques. Toi, t'as pris quoi? Ah oui, bah, la saumon, hein, suédoise, saumon. Et toi, c'est celle du jour. Oui. Ananas, curry, crevettes. Toute l'Inde. Franchement, ça a l'air super sympa. Toute l'Inde. Bon app, tout le monde. Bon app. Bon, il y a eu craquage. Genre, moi, c'est banane, vanille, noix de coco. On est sur du caramel, c'est ça? Caramel beurre salé. Et toi, bah, classique chocolat vanille. Elle est froide? Parce que la banane à l'intérieur est froide. On est rentré. Hein? Mais oui, tu te reposais. Bon, moi je vais aller dans mon bureau, je vais monter mon vlog. Je fais ma petite pause, ça doit faire une heure et demie que je suis en plein montage. Et j'ai une soif. Bah c'est des crêpes, hein, forcément. Donc je vais me faire la petite infusion de thé avec du gingembre. Ça va être bien pour la digestion aussi, je pense. Je vais mettre la dose avec... le grand mug, je l'adore d'ailleurs ce mug. Je l'avais eu chez Maison du Monde, c'est toujours des mugs sympas. Et bah, j'espère que ça va être efficace tout ça. Rien à voir, mais regardez comment il me met les poubelles. C'est une catastrophe. Oui, Jack, je parle de toi. Tu te comportes très très mal. Il faut pas faire ça avec les poubelles. C'est les méchants chats qui font ça. Toi, t'es pas un méchant chat. Je vais retourner bosser, mais je vais quand même aller voir Eric parce qu'il va toujours pas bien. Il est très 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 fatigué. Et pour le coup, vous savez, il prend un traitement depuis 15 jours à peu près pour la tension, parce qu'il a trop de tension. Et là, il est à 11 de tension et depuis 3 jours, il a plus de carburant, il est crevé, épuisé. Ah bah, il voit ce que ça fait, hein, il a exactement ce que j'ai eu. Bon, je vous retrouve le lendemain, comme vous pouvez le constater. Rien d'intéressant hier, hein, on était KO, on s'est posé, on a mangé. Moi, j'ai regardé le replay de Koh-Lanta et au lit. Donc, je trouvais ça plus sympa de vous reprendre aujourd'hui. Vous savez pourquoi ça me bouge? Arrête! Il y a Jack qui est en train de faire... Vous voyez ses petites moustaches? Fais pas ça! Il est en train de se frotter à mon téléphone. Bref, j'ai adoré la journée d'hier, mais vraiment adoré. Ça fait tellement de bien de découvrir, redécouvrir des lieux qui sont très souvent vraiment à côté de chez nous. La France est vraiment un pays de tout. Moi, je suis très amoureuse, très attachée à mon pays. Et, de plus en plus, j'ai envie
de découvrir, d'aller me balader. Je peux pas parler sérieusement. Arrête, bébé. Il vient de voir un oiseau passer. Et détends-toi. Il y a des petits lieux super mignons, bucoliques, romantiques, qui font que bah, tu te balades une heure, deux heures, et tu rentres et tu te dis, merde, ça fait quand même du bien. Et j'ai de plus en plus envie de faire ça, d'aller comme ça, même me perdre dans des petites villes avoisinantes ou un petit peu plus loin. Pour ce qui est de demain, on est lundi de Pâques, j'ai pas envie de vlogger. Aujourd'hui, j'ai pas envie de tourner, j'ai envie de me poser, de profiter et aussi de ranger. Ranger ma maison, donc ça va être une très bonne chose. Voilà, je vais clôturer ce vlog. Je vous invite à liker cette vidéo si c'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite, soit dans un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Salut.